Salutations famille, en espérant que vous allez bien. Waouh, j'ai failli même bousiller carrément mon micro. Hein. Ça fait un long moment, je n'ai pas fait de réaction. Eh ben, sachez que j'ai été un tout petit peu pris par la vague hein, du boulot, de vidéos que je réalise à tout moment concernant la Russie. Mais là, je suis de retour pour quelques vidéos réactions, bien entendu. Donc voilà, vous verrez un tout petit peu, hein, le décor a été changé, mais cela n'est pas aussi grave. Animation, c'est la nouvelle, on va dire. Hein. Animation, bien évidemment, de l'artiste Fally Ipupa. Une réaction à chaud carrément sur la chanson qui a été déjà disponible, hein, la vidéo bien évidemment sur YouTube depuis plus ou moins une semaine, qui cumule au jour d'aujourd'hui plus ou moins 1 200 000 et quelques poussières, on va dire, de vues sur YouTube bien évidemment. Et ben à savoir que Animation, c'est une chanson dansante carrément issue de l'album Tokos 2 de l'artiste Fally Ipupa. Et ben c'est que je pourrais dire d'emblée de cette chanson dansante et que elle est vraiment entraînante. Elle est vraiment entraînante de prime abord. Lorsque je écoutez, on va dire, l'audio, lorsque j'ai auditionné tout l'album, eh ben, c'est le titre, on va dire, hein, qui a plus retenu mon attention, puisque c'était le titre dansant, on va dire, assez frappant, assez qui m'est parlé, j'ai envie de dire. Donc voilà, eh ben, ça m'a fait penser, hein, normalement, au clin d'œil Animation de la première, on va dire, hein, la talakou que Fally fait tout le long de la chanson, au Wenge Musique 4x4, tout terrain de l'époque, hein, qui était constitué autrefois de Jubin Piana, Wiranson, Didier Massela, et j'en passe, et le meilleur. Donc voilà, c'est un tout petit peu un clin d'œil que Fally Ipupa, bien évidemment, a voulu faire Wenge Musica, bien sûr, hein, mais tout en falinisant, j'ai envie de dire, hein, cette Animation à sa sauce. Et bien, au jour d'aujourd'hui, il y a de challenges comme pas possible qui fusent un peu de partout. Je me suis dit, hein, ma contribution à moi, mon apport à moi est simplement de faire une réaction tardive, bien évidemment, hein, rien que sur le clip. À savoir, déjà, le clip a été réalisé de la meilleure façon possible. Cher ami, en visionnant les clips, hein, je me suis rendu compte carrément, hein, de l'ambiance, du décor. Et quand le clip débute, on tire facilement attention, hein, aux dés aigles carrément qui sont posés, on va dire, hein, à côté de l'artiste, hein, qui est son emblème, hein, on va dire, au jour d'aujourd'hui. C'est un peu son animal totem, j'ai envie de dire, un tout petit peu. Il s'est fait nommer aigle et ça, là, tout le monde le sait. Donc, voilà. Déjà, le fait, on va dire, hein, de réaliser le clip, hein, c'est parce que la chanson a connu, hein, a rencontré de l'ampleur, un succès fulgurant. Et ben, c'est un tout petit peu, on va dire, hein, quand on essaye un tout petit peu de mieux visionner le clip, de auditionner à la fois la chanson, vous remarquerez avec moi, il y a un ajout justement à la fin de la chanson du fameux concert, hein, carrément, qu'il a livré à Kinshasa, bien évidemment, qui a été incorporé, soit indexé ou soit intégré dans le clip. Et ben, c'est la partie qui, on va dire, qui m'ambiance le plus, hein, de la chanson. Je ne dirais pas que de le début jusqu'à, on va dire, hein, à l'accord qui donne la passation, on va dire, hein, à la partie qui a été incorporée dans le clip. Sauf que, à moi, Sakana Nadikapé, hein, quoi. Et ben, c'est la meilleure, on va dire, animation possible. Et ben, vous devriez savoir que Fally Ipupa a rendu hommage, hein, à Ahmed Bakayoko, hein, qui fut pour deux Congolais un grand mécène carrément, qui soutenait
pas simplement les artistes ivoiriens, mais également congolais qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, paix à son âme. Et ben une belle illustration de l'hommage rendu par l'artiste Fally Ipupa, bien évidemment. Et ben c'est une excellente, alors excellente chanson. Le fait pour lui d'avoir illustré également hein, l'hommage à la fin de la chanson prouve à suffisance sa gratitude, hein, témoignée par cet illustre disparu carrément, hein, qui représentait beaucoup pour le monde de la musique africaine générale et par la musique ivoirienne en particulier. Donc voilà, et ben à savoir déjà si vous êtes d'accord avec moi, laissez vos commentaires, vos questions, vos subjections, vos préoccupations. Sachez que dorénavant je commencerai à sans cesse hein, de réaliser des vidéos réactions, bien évidemment. Ben celle-ci, j'ai été vraiment, alors vraiment comblé de la réaliser, tellement que cela m'a été demandé par un ami hein, aussi éloigné de moi, qui m'a posé la question, mais pourquoi tu as arrêté le vidéo réaction, ça a apporté quelque chose de plus, de nouveau, on va dire, sur la chaîne. Et ben là je viens de reprendre, je verrai, on va dire, votre réaction. Le Warrior, montrez-moi réellement que vous êtes d'accord, vous êtes là avec moi, faites le nécessaire, Warrior de partout, pour m'apporter votre soutien carrément, témoignez-le moi en commentaire, et puis ce sera quelque chose de bien. Allez liker, et ben le disque d'or arrive dans pas longtemps hein, pour Tokos carrément hein. Déjà j'en parlerai dans une nouvelle vidéo qui arrivera si vite déjà. Donc voilà, j'attends vos commentaires, j'attends vos subjections, comme je l'ai dit tantôt. Et ben moi c'est Vima Oité, portez-vous bien, je vous laisse avec animation, enjaillez-vous dessus, allez cliquer, liker, partager, et puis Warrior du monde entier, votre soutien j'en ai réellement besoin. On se donne rendez-vous très prochainement, ciao ciao. Yeah, 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 yeah.